Bonjour et bienvenue dans ce tuto dédié à Blender. Dans la première partie, je vais vous présenter de quelle manière j'ai organisé mon espace de travail dans Blender et les raccourcis que j'ai mis en place pour accélérer mon workflow. Dans la seconde partie, nous verrons comment mettre en place les modifications d'interface vues dans la première partie. La troisième et dernière partie vous montrera comment modifier les scripts fournis pour les adapter à votre façon de travailler dans Blender. Merci. Première partie, présentation de mon workflow dans Blender. Mon espace de travail dans Blender est étendu sur deux écrans. Le premier écran Full HD affiche en permanence la vue 3D et le panneau des propriétés. J'ai choisi de laisser le panneau des propriétés car on doit souvent scroller de haut en bas et vice versa pour afficher tous les paramètres. C'était plus logique de le laisser sur le gros écran. Mon deuxième écran, plus petit, se contente d'afficher toutes les autres fenêtres en miniature. On y trouve le Node Editor, ici pardon, l'UV Editor, la Timeline, l'Outliner et trois petites fenêtres dédiées à l'animation. J'ai laissé une vue 3D en vue caméra pour les rendus sous Cycles, ce qui me permet de ne pas avoir trop de ressources GPU consommées. La profusion des fenêtres n'est pas gênante car j'ai affecté un raccourci sur ma souris pour agrandir ou réduire chaque zone à la volée, comme ceci. En fonction de mes besoins. J'ai aussi créé deux autres raccourcis. L'un affiche un menu personnalisé dans le Node Editor, comme vous le pouvez le constater. Ça m'évite de passer par Shift A par exemple, ou par le menu Add, ou même par le panneau Properties. Enfin, j'ai un dernier raccourci sur ma souris qui me permet de recentrer automatiquement l'objet dans la vue 3D. Exemple, je prends le Sun. Là, bon, ça affiche pas très bien parce que c'est en vue rendered. Voilà. Si je reprends Suzanne, hop, ça me recadre automatiquement. Même chose dans le premier écran où je peux recentrer ma vue sur un objet sélectionné d'un coup d'un seul. Très pratique en modélisation. Et je peux aussi passer en plein écran, toujours avec le même raccourci sur la souris. Et enfin, j'ai aussi un menu personnalisé pour la vue 3D, qui me permet de choisir mes fenêtres, ou la vue caméra, etc. De recadrer sur l'objet sélectionné, c'est le même que le bout que j'ai sur la souris. Recadrer tout. Définir un render border ou le supprimer, ajouter des primitives, des metaballs, plus d'autres choses que je vous laisse regarder. Voilà. Deuxième partie, installation des menus personnalisés et ajout de nouveaux raccourcis pour la souris. Alors, je vous conseille d'aller visiter le site blenderlounge.fr, dont voici l'adresse. C'est un site créé par Cédric Lepiller, alias Petit Oiseau. On y trouve un blog en pleine expansion avec des articles très intéressants, des tutoriels, des présentations de travaux d'artistes, etc. Mais aussi un forum qui est aussi en pleine expansion et très intéressant, où on peut trouver tout un tas de trucs, et notamment un sujet dédié, script Python OSL, avec mon menu perso, dans lequel j'ai puisé mes ressources principales, ici même, le script original pour créer les menus. Je l'ai adapté, et suite à ça, je l'ai donc reposté sur les pages qui suivent. Voilà, c'est à dire à partir de là, ça c'est mon avatar et mon pseudo. Donc je vous laisserai lire par vous-même. Sachez qu'il y a un lien directement sur mon blog où je vous conseille d'aller sur cet article pour télécharger l'archive zip qui est ici. Enregistré, voilà.
Alors, une fois que vous avez téléchargé votre testacomenu.zip, vous faites clic droit dessus, extraire tout. Ça va vous créer un dossier. Voilà. Donc, un dossier testacomenu qui se trouve là. Voilà. Ensuite, vous retournez dans Blender. Vous allez dans le panneau User Preferences. Vous cliquez sur Install from File. Et vous sélectionnez, donc là je suis déjà dans le bon dossier, soit le TestacoMenu pour la 3D View, soit le TestacoMenu Node pour le Node Editor. On va prendre la 3D View, Install from File. Il apparaît directement normalement, sinon vous le retrouvez dans User. Vous cliquez ici pour l'activer. Ensuite vous allez dans Input, je vais agrandir la fenêtre, dans 3D View, 3D View Global, et vous descendez. Et vous cliquez sur Add New. Vous cliquez sur la petite flèche pour le déplier. Et vous en fait vous reportez les paramètres qui sont là. Donc en premier c'est wm.colmenu. Donc je vais le copier, ça va être plus simple. Vous cliquez là. Pardon. Voilà. Vous le copiez, collez, vous appuyez sur Entrée. Et là un nouveau paramètre apparaît. Et vous tapez TestacoMenu. T-A-Z. En respectant bien la caste des caractères, c'est-à-dire minuscules et majuscules. Entrée. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à affecter le nouveau menu 3D via les touches qui se trouvent ici. Donc, soit au clavier, keyboard, soit à la souris. C'est au choix. Alors, pour ce qui me concerne, je l'ai affecté ici et sur la souris et sur le bouton 5. Mais c'est vous qui voyez, vous pouvez aussi affecter une touche de contrôle ou shift en même temps. Mais bon, c'est pas très pratique en général. Donc je vais supprimer celui-là. Je vais installer le deuxième script. Donc retour dans Add-on. Install from file. TestacoMenu node. Install. Donc encore une fois, il apparaît ici. Sinon, vous l'avez dans User. Et vous cliquez pour l'activer. Vous retournez dans le panneau Input. Cette fois-ci, il faut aller non pas dans 3D View, mais dans Node Editor Global, et là encore une fois vous allez tout en bas, vous cliquez sur Add New, vous dépliez le paramètre. Dans la case Node ici vous entrez WM Call Menu comme ici, et ensuite lorsque le panneau Name sera apparu vous recliquez sur, vous rentrez Testaco Menu Node comme ici. Voilà. Et une fois que c'est terminé, vous allez dans Save User Setting. Et c'est tout. Alors maintenant, on va modifier les deux raccourcis. Le premier étant le Toggle Full Screen qui permet d'afficher une fenêtre en plein écran à la volée. Donc il suffit d'aller dans Input, Screen, Screen Global, et c'est Toggle Full Screen, c'est celle-ci. Normalement, il y en a deux d'affichés, mais j'en ai supprimé un. Puisque ça ne me servait pas. Donc je voulais affecter le raccourci ici. Et le deuxième raccourci qui sert à recibler votre objet au plein centre de la vue, c'est le View Selected. Il se trouve là dans 3D View, 3D View Global, View Selected. Voilà. Dernière partie du tuto, modifier les scripts fournis pour les adapter à votre workflow. Alors dans cette dernière partie, nous allons personnaliser les menus qu'on a téléchargés. On va ouvrir la fenêtre Text Editor. Voilà. On va ouvrir dans Text, Open Text Blocks. On va ouvrir celui qui nous intéresse, par exemple le menu 3D, Open. On va s'assurer que ces deux icônes soient sélectionnées. La première vous affiche les numéros de ligne. C'est très utile quand vous avez une erreur de code, parce que Blender vous l'indique. Et la deuxième va vous colorer le tout. Pareil, très pratique. Ensuite, vous affichez le panneau propriétés. Passez bien par le menu, parce que si vous faites la touche T, ça va directement vous écrire dans le texte. Voilà. Et enfin, avant toute chose, le plus simple, c'est de faire une copie de sauvegarder son texte sous un autre nom, par exemple 2. Comme ça, si jamais vous faites des erreurs, vous pourrez revenir en arrière. Voilà. Ensuite, vous allez dans File, User Preferences.
Décidément, ça ne va pas aujourd'hui. Dans les add-ons, vous allez sélectionner dans la catégorie développement, développement icons. L'activer. Ensuite, vous allez vous assurer que dans l'onglet interface, Tooltips et Show Python Tooltips seront activés. Voilà. Du coup, on a un nouveau panneau qui vient d'apparaître dans les propriétés. C'est l'ensemble des icônes fournies par Blender. Car il faut savoir que vous ne trouverez pas dans l'arborescence de Blender, sur votre disque dur, de dossier avec les icônes. Elles sont directement encryptées, si on peut dire, dans le point .exe. Donc c'est la solution que j'ai trouvée pour recopier les différentes icônes dans le code. Alors chacun des scripts est grosso modo divisé en deux parties. Une première partie avec cette zone là qui est définie par les sous-menus. Ce qui est en vert en fait, ce sont des informations qui ne sont pas prises en compte par le script. Donc là vous avez les 7 vues 3D, recadrage de vue 3D, render border. En fait ce sont tous les menus que j'ai créés. Et dans chaque partie, vous avez les différentes commandes Python. Par exemple, si on décompose, on a layout operator, screen full area, qui est le nom de la commande en Python, le test qui va s'afficher dans le menu, donc fenêtre plein d'écran, on off, et l'icône qui est associée. Il faut savoir que pour trouver une icône, vous choisissez l'icône qui vous correspond, par exemple celle-ci, vous cliquez dessus, et ça va vous le mettre dans le presse-papier. Vous allez directement là et vous faites coller, et vous avez votre nom d'icône. Voilà. Donc le but du jeu est tout simple, c'est de repérer toutes les fonctions qui vous intéressent, dans File, dans Add, peu importe, et de voir s'afficher, en laissant la souris appuyée dessus, normalement le nom de la commande. Bon là ça marche pas, c'est peut-être à cause de mon enregistreur. C'est pas impossible. Voilà, ça y est, ça s'affiche. Quand ça veut bien. Enfin ben, vous repérez les commandes qui s'affichent donc par-dessus les menus et vous les reportez ici. Donc en général il faut enlever les deux premiers mots qui sont sur la commande. Par exemple si je prends un cube, ah, ça ne fonctionne pas à cause de mon enregistreur. Mais normalement il y a deux trucs à enlever. Et bah vous les enlevez. C'est en fait que, en général, il y a bpi.opi et vous enlevez et vous copiez juste cette partie-là. Et ensuite, quand vous allez un peu plus bas, vous avez la définition de ce qui va s'afficher en premier, le menu for global 3D. Donc ça, c'est le nom de la commande qui va apparaître. C'est celle qu'on a rentrée dans les inputs de menu User Preferences. Et là, le sous-menu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, qui sont référencés donc un peu plus haut. Donc, un peu plus haut. Ah bah, décidément, ça ne veut pas aujourd'hui. Voilà, donc vous avez le sous-menu 1, comme vous voyez ici, et qui se termine ici. Sous-menu 1. Après, sous-menu 2, sous-menu 2, et ainsi de suite, avec le nom. Label. C'est important de nommer de 1 à 10 en suivant la logique. Et si vous avez un autre menu qui fait appel à ces fonctions, de reprendre à partir de 10 par exemple, pour pas que les commandes se chevauchent. Et puis après, il n'y a plus qu'à faire votre petite soupe. Donc oui, c'est bien ce que je disais en fait quand vous recopiez la commande Python dans votre menu, il faut enlever le bpi.ops qui se trouve devant. Alors je ne sais pas pourquoi, je ne suis pas codeur, mais c'est comme ça, sinon ça ne marche pas. Et pour illustrer ce que je disais tout à l'heure avec les sous-menus de 1 à 10, qui ne doivent pas se chevaucher, il suffit de charger l'autre menu que j'avais codé, open, donc le node. Dans le node, en fait, on reprend les menus, mais à partir de 11, 12, 13, et ainsi de suite. Parce que sinon, vous risquez d'avoir des conflits entre les deux, vu que c'est la même fonction wm call menu qui est appelée
dans le input de User Preferences. Et bien voilà, je vous laisse faire votre petite sauce. Ah oui, une dernière chose, pardon. Ne pas oublier de bien respecter la caste qui est employée et aussi les espaces. Car sinon, ça vous fera planter votre script. Si par exemple, vous laissez plus d'espace ou moins d'espace, comme je le fais là, le script plantera. Donc bien faire attention à bien aligner le tout. Voilà, c'est tout. Bon courage et bon amusement. A plus!